Today is the first part of the message that says it's not about you. Aujourd'hui, c'est la première partie du message qui dit ce n'est pas à propos de toi. Amen. Anyone disagrees with that? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'est pas d'accord avec ça? It is not about you. Ce n'est pas à propos. Let's turn our Bibles to Hebrews chapter 12. Tournons nos Bibles à Hébreux chapitre 12. We're going to do verse 2 today. Next week we'll do verse 1 as well, but today we're just going to focus on verse 2. Alors aujourd'hui, on va se concentrer sur le verset 2. Are we there? Hebrews 12, verse 2, it says, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and has sat down at the right hand of God on the throne. Can someone read the French, please? Est-ce que quelqu'un peut lire en français, s'il vous plaît? Regardant à Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui méprisant l'ignominie à cause de la joie qui lui était proposée, a souffert la croix et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Amen. Amen. We are asked to look unto Christ. Alors on regarde à Jésus. Not at ourselves. Because the reason we can even stand before God is because of what Christ has done. Parce que la seule raison pourquoi on est capable de se tenir devant Dieu, c'est à cause de ce que le Christ. Yes, we made a choice to come to church today. Oui, on a fait un choix de venir à l'église ce matin. But if Christ had not opened the way, none of us will have the audacity to say I'm going before God, even at home or here. Mais si le Christ n'avait pas ouvert la voie, aucun d'entre nous n'aurait l'audacité d'aller devant Dieu, que ce soit ici à l'église ou à la maison. You see, the more we focus on ourselves, the more we see so many troubles and so many problems, even with ourselves or the people around us. Plus on se concentre sur nous-mêmes, on voit toutes sortes de problèmes, que ce soit nous ou que ce soit bien les autres, on voit tout ça. But as we focus on Christ and His finished work, mais comme on se concentre sur le Christ et son œuvre qui est complétée, and knowing that we're children of God because of His finished work. Et sachant que nous sommes des enfants de Dieu à cause de son travail, de son œuvre qui a été complétée. It gives us confidence. Ça nous donne de la confiance. We stop listening to the lies that says you're not good enough. On arrête d'écouter aux mensonges qui nous disent que t'es pas assez bon. You know, stop listening to lies that say, remember what you did yesterday? Les mensonges qui disent, rappelle-toi ce que t'as fait hier. Because Christ's blood has cleansed us. Parce que le sang du Christ te lavait. I'm not saying go on doing the wrong stuff and saying, oh, because I'm forgiven, I'll continue doing the wrong stuff. Je suis pas en train de dire je fais les mauvaises choses, mais je peux continuer parce que le sang du Christ me lave. But you see, as we focus on Christ, mais comme on se concentre sur le Christ, and begin to love Him back the way He loves us, et continuant à l'aimer de la façon dont Lui nous aime, the things that He hates, we will stop doing it automatically without having to focus on those things. Les choses que Lui déteste, on va arrêter de les faire automatiquement sans avoir à se concentrer sur ces choses-là. It's a love relationship. C'est une relation d'amour. The more you love someone, the more you don't really want to do the things the person hates. Plus tu aimes quelqu'un, moins tu veux faire les choses que la personne déteste. If I have a friend who's allergic to shrimps, if you come to my house, I'm not going to cook shrimps. Si j'ai un ami qui est allergique aux crevettes, je ne vais pas faire des crevettes quand lui va venir à la maison. Even if I like shrimps, I love you too. I love you more than I love the shrimps, hopefully. Même si j'aime les crevettes, heureusement j'aime plus la personne que les crevettes. Amen. So when we love God, those things automatically will change in our lives. Quand on aime Dieu, ces choses-là vont changer automatiquement dans notre vie. His love is more powerful than any addiction or any sin that you can think of. Son amour est plus puissant que tout péché, que toute chose qu'on peut imaginer. And together as a church and also individually, God is taking us daily to a higher level. Et que nous, en tant qu'Église et individuellement, nous amène, Dieu nous amène quotidiennement à un niveau qui est plus haut. But there are so many distractions. Mais il y a tellement de distractions. And if you focus on the distractions, you will not go anywhere because they'll be pulling you in different directions. Puis si on se concentre sur les distractions, on n'ira pas nulle part parce que ça va nous tirer d'un bord et de l'autre. Focus on Christ. Concentre-toi sur le Christ. Like Hebrews 12, 2, we just read, says, He is the author. He's the beginner. He's the one who actually authorized our relationship with God. Alors, comme en Hébreux 12, 2 qu'on vient de lire, c'est lui l'auteur. C'est lui qui commence cette relation-là qu'on a avec Dieu. And He's the one who perfects it.
Et c'est lui qui la perfectionne. It's not by ourselves. C'est pas par nous-mêmes. When we walk in obedience, automatically, things happen. Quand on marche dans l'obéissance, automatiquement des choses se produisent. So let us keep our focus on Christ. Alors qu'on garde notre concentration sur le Christ. You see, when Christ came down, he set a very good example for us. Quand le Christ est venu, il a mis un très bon exemple. We're coming close to the Passion Weekend soon. On s'approche bientôt de la Pâque. Where we remember the sufferings of Christ for you and I. Où est-ce qu'on se rappelle des souffrances du Christ pour vous et moi? He went through humiliation. Il est allé à travers l'humiliation. He went through shame. À travers la honte. He went through pain. À travers la souffrance. Just so that he can have a relationship with you and I. Juste pour avoir une relation avec vous et moi. And that was the goal he set before him. C'était son but qu'il a mis devant lui. That one day all these people will be mine. Qu'un jour tous ces gens-là vont m'appartenir. They will love me. Ils vont m'aimer. And they will be saved. Et ils vont être sauvés. So he did not focus on the problem. Alors on se concentre pas sur les problèmes. He focused on our salvation. On se concentre sur notre salut. So it's about time we focus on what he did. Alors c'est le temps maintenant de faire ça, de se concentrer sur ce que lui a fait. Amen. Amen. There's nothing that he will not do. Il n'y a rien qu'il ne va pas faire. The things you may be struggling with, that makes you feel like you're not quite that person that God will love that much. Les choses avec lesquelles tu es en train d'avoir des difficultés qui te font penser que je suis peut-être pas le genre de personne que Dieu aime vraiment. Christ knows it. Le Christ les connaît ces choses-là. And I love the fact that God sent Christ, and He came whilst we were still sinners. Et j'aime le fait que le Christ, que Dieu a envoyé le Christ pour nous sauver alors que nous étions encore pécheurs. Christ didn't come because we were trying so hard. He thought, I'm impressed with their work. Now let me go and finish it. Le Christ n'est pas venu parce qu'on faisait tellement de bonnes choses. Je suis impressionné par leurs œuvres. Alors je vais venir et terminer leurs œuvres. It was in our worst times that He said, let my love. C'est dans notre pire temps qu'il a dit que mon amour prévaille là-dessus. So why do we allow the distractions to pull us away from God? Alors pourquoi est-ce qu'on permettrait à ces distractions-là de nous tirer de Dieu? I'm glad my salvation is not about me. Je suis heureux que mon salut n'est pas à propos de moi. But you see, the more I fall in love with Christ every day, the more I grow in my relationship with me, and the better I get. Amen. Amen. Mais voyez, le plus je tombe en amour avec le Christ à chaque jour, le plus je m'améliore. Amen. We're going to look at another story. That's in Matthew chapter 14. On va back to the scripture again, histoire. But we'll go to Matthew chapter 14. Dans Matthieu chapitre 14. We're going to look at verse 27. I encourage you when you go home, read the whole chapter. Alors, je vais commencer à partir du verset 27, mais je vous encourage, lorsque vous arrivez à la maison, de lire tout le chapitre. Actually, I'll read from verse 25. 25, en fait. It says, now in the fourth watch of the night, Jesus went to them, walking on the sea. Verset 25. Et à la quatrième veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. And when the disciples saw him walking on the sea, they were troubled, saying, it is a ghost. And they cried out for fear. Et ses disciples, le voyant marcher sur la mer, furent troublés et dirent, c'est un fantôme, et de la frayeur qu'ils eurent, ils crièrent. But immediately Jesus spoke to them, saying, be of good cheer, it is I, do not be afraid. Mais aussitôt Jésus leur parla et leur dit, rassurez-vous, c'est moi. N'ayez point de peur. And Peter answered him and said, Lord, if it is you, command me to come to you on the water. Et Pierre, notre cher Pierre, répondant, lui dit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. So he said, come. Alors Jésus lui dit, viens. And when Peter had come down out of the boat, he walked on the water to go to Jesus. Et Pierre, étant descendu de la barque, marcha sur les eaux pour aller à Jésus. Praise God. Gloire à Dieu. They saw this figure walking on the water.
Ils l'ont vu marcher sur l'eau. And they say it's a ghost. Ils ont senti. And the Bible says they cried out for fear. They were afraid. Puis la Bible nous dit qu'ils avaient peur, qu'ils ont même crié. And he said, "Be of good cheer. It's I." Il dit, soyez calme. C'est moi. And today God is saying to you, no matter what you may be going through that you're afraid, he says, "Be of good cheer. It is I, and I'm with you." Puis d'aujourd'hui, Dieu nous dit tous, soyez heureux. Peu importe qu'est-ce que vous vivez, soyez heureux, parce que c'est moi, je suis avec vous. Are you going to be like the other disciples, or are you going to be like Peter, who said, "If it is you, command me to come"? Est-ce que vous allez être comme les autres disciples ou comme Pierre ce matin, que Dieu qui répond à Dieu, si c'est toi, commande-moi de venir. You see, what Peter realized was that if it is Christ, Christ has the authority to command him to come, and if Christ commands him to come, then he can do what Christ says he can do. Amen. Qu'est-ce que Pierre a réalisé? C'est que si c'est bien le Christ qui est là, le Christ a l'autorité de lui commander de venir. Et si le Christ lui commande quelque chose, c'est parce que Pierre est capable de le faire. Amen. Do we dare to trust Christ the same way? That whatever he says in his word that we can do, we're going to dare trust him that we can do it? Alors, est-ce qu'on fait confiance à Dieu de la même façon que tout ce qu'il dit dans sa parole, on va lui faire confiance que s'il nous le demande, on est capable de le faire? Whether it's problems at work, at home, school, whatever. And Christ says, no, you're more than a conqueror. Do we dare believe him that you're more than a conqueror? Alors, que ce soit des problèmes au travail, à la maison, peu importe. S'il nous dit qu'on est plus qu'un vainqueur en lui, est-ce qu'on ose lui faire confiance que c'est vrai? See, the Bible says that if you read earlier on, the waters were already troubled. On peut lire un peu avant dans le chapitre, la Bible va nous dire que les eaux étaient troubles. Okay, so that was enough already to put them in fear. Alors c'était suffisant à ce moment-là pour leur donner la peur. So the storm you may be going through right now in your life. La tempête dans laquelle vous vous trouvez peut-être dans votre vie en ce moment. Where is your focus? Où est votre concentration? On the storm or on Christ walking on that water? Sur la tempête ou sur le Christ qui marche sur l'eau? Telling you, do not be afraid. Te disant de ne pas avoir peur. Be of good cheer. D'être content. I'm with you. Je suis avec toi. When we keep our eyes on Christ, quand on garde nos yeux sur le Christ, we deprive that storm of the power. On enlève le pouvoir que la tempête a. But I don't know what I'm going to do. I don't know what to say. I don't know how to handle this. Mais je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas comment gérer ça, qu'est-ce que je vais faire? Well, that's why you need Christ. He knows you can do it. That's why he came so that he can do it for us or through us. C'est pour ça que tu as besoin du Christ. C'est pour ça que, parce qu'il savait que tu avais besoin de lui, qu'il est venu. Lui va le faire pour nous et à travers nous. Are we going to be like Peter and say, yes, Christ, command me to do what you want me to do? Est-ce qu'on va être comme l'apôtre Pierre et dire, oui, Christ, commande-moi de faire ce que tu veux que je fasse. In the first place, he exhibited his trust in the word of Christ, that if Christ speaks, it will happen. En premier lieu, il a démontré sa confiance dans la parole du Christ, que peu importe ce qu'il disait, allait se produire. And Christ has spoken to us in his word. Et le Christ nous a parlé dans sa parole. So even if you don't hear him audibly, or you don't hear God's voice speaking to you, or you haven't yet cultivated that, he's spoken a lot about you and I. Alors, la parole du Christ est dans la Bible. Alors, si tu ne l'as pas encore entendu audiblement, si tu ne l'entends pas encore dans ton cœur, tu n'as pas développé cette habitude-là, mais il dit quand même beaucoup de choses à propos de toi dans sa parole. Let's say you're waiting to hear him speak to you with thunder and lightning before you wake up. Alors, dis-toi pas, oh, mais j'attends qu'il me parle avec le tonnerre et avec les éclairs avant que je me réveille. A word from God is all you need. Une parole de Dieu, c'est tout ce qu'on a besoin. And today you know that you are loved by Christ. Et aujourd'hui, tu sais que tu es aimé du Christ. His love surpasses any other form of emotion or power. Son amour surpasse toute forme d'émotion ou de pouvoir. So, if God loves me, why am I going through struggles? Somebody may ask. Alors, si Dieu m'aime, pourquoi est-ce que je passe à travers toutes ces épreuves-là? Quelqu'un pourrait demander. I wish I could give you all the answers. J'aimerais ça pouvoir te donner toutes les réponses. But I can tell you one thing. Mais je peux te dire une chose par contre. No matter what troubles you're going through. Peu importe tous les problèmes à travers lesquels the trouble hasn't got the power to drown you unless you give it the power. Les problèmes n'ont pas le pouvoir de te noyer à moins que tu leur donnes ce pouvoir-là. See, with Christ in your boat, you can smile at the storm. Avec le Christ dans ton bateau, tu peux sourire à travers la tempête. Amen.
Amen. The water was already stormy, and Peter said, command me to come to you on the water. He made it specific, like, not just fly to you, I want to walk on the water like you. Alors, Pierre, même à travers cette tempête-là, avec ces eaux troublées-là, il dit pas, ok, commande-moi de voler jusqu'à toi. Non, commande-moi de marcher sur l'eau comme tu marches sur l'eau. And what did Christ say? Qu'est-ce que le Christ a dit? He commanded the heavens and what not. He just said a single word, come. Est-ce que le Christ a commandé les cieux ou quelque chose de même? Non. When he said, une seule parole, il dit, viens. When he said come, Peter didn't say, are you sure? Are you really sure I can come? Alors quand le Christ a dit, viens, est-ce que Pierre a répondu, ah, est-ce que tu es certain que je peux venir? Est-ce que je peux vraiment venir? Christ, did you notice that the water is very stormy? Even the boat, we're on the boat and we're already afraid. You want me to walk on the water? Christ, as-tu remarqué que la tempête fait rage, les eaux sont troublées? Es-tu certain que je peux marcher dessus? This is like from frying pan to fire. From frying pan to fire. Do you know that expression? No. If you're in the frying pan and you think it's hot, and then you stand on the fire, of course it's worse. OK. C'est comme tomber de la poêle dans le feu lui-même. C'est encore pire dans le feu. But because Christ spoke. Mais parce que le Christ a parlé. He took a step. Il a fait le premier pas. Il a fait le pas. And imagine what the other disciples might be thinking. Is he crazy? Does he always have to prove that he is something? Est-ce que tu peux imaginer ce que les autres disciples vont penser? Est-ce qu'il a perdu la tête? Il est fou? Est-ce qu'il a besoin de prouver à chaque fois en faisant quelque chose? The Bible didn't say that they said all that. But the fact that none of them dared to walk on the water to Christ shows that they were not quite ready. Alors, la Bible ne dit pas qu'ils ont dit ça, mais le fait qu'ils n'ont pas marché sur l'eau pour aller rejoindre le Christ avec Pierre montre qu'ils n'étaient pas tout à fait prêts. The Bible says in verse 29, yes, after Jesus spoke, he walked on the water. Verset 29, on dit que oui, après que Jésus a parlé, il a marché sur l'eau. The very water they were already afraid of because the boat was shaking, he walked on it. Les mêmes eaux à cause desquelles ils avaient peur, pour lesquelles ils avaient peur, il a marché sur ces eaux-là. But then in verse 30, mais le verset 30, he says, but when he perceived and saw that the wind was boisterous, verset 30 nous dit, mais voyant que le vent était fort, he was afraid. Il eut peur. And beginning to sink, he cried out. Et comme il commençait à enfoncer, il s'écria, saying, Lord, save me. Il dit, Seigneur, sauve-moi. Why did Peter start to sink? Pourquoi est-ce que Pierre a commencé à couler? Whilst he focused on Christ. Pendant qu'il se concentrait sur le Christ. And his word that says, come. Et sa parole qui lui disait de venir. He was doing fine. Il était correct. He walked on that same water. Il marchait sur cette même eau. It was already windy before Christ, they even saw Christ. C'était déjà très venteux avant même d'avoir vu le Christ. It was equally stormy before they saw Christ. C'était autant tempêteux avant d'avoir vu le Christ. It was stormy when he asked Christ, tell me to come to you. C'était très orageux quand le Christ lui a dit de venir. It was still windy when he stepped on the water. C'était venteux quand il est descendu de la barque pour marcher sur l'eau. But at that time, his focus was on Christ. Mais à ce moment-là, toute son attention, toute sa concentration était sur le Christ. So he walked on the water. Alors il a marché sur l'eau. And then, suddenly focus changes to the wind. Mais là, tout à coup, son attention est allée. And, s'est changé sur le vent. And something tells me that the disciples on the boat were saying, Peter, can you see the wind? Can you believe it? And we're all talking and putting doubts in his mind. So he was listening to them. Puis ça m'étonnerait pas du tout que les disciples dans la barque lui disaient des choses comme, hey Pierre, tu vois, c'est venteux tellement. Puis il leur donnait des doutes. Puis lui, écoutait ces doutes-là. We can imagine that because they were real people, just like you and I. And if someone is doing that, we're like, well, what's he doing? It's natural. They were the same. They're not that different from us. Alors, on peut s'imaginer ça parce que c'était des gens normaux, comme nous, et des réactions normales n'étaient pas si différentes de nous. And that was probably what took his attention, and then he decided to focus on the wind. C'est probablement ça qui a enlevé son attention. Suddenly, il s'est mis à se concentrer sur le vent. Suddenly, his focus was changed from Christ to the danger around him. Soudainement, toute son attention, toute sa concentration a changé pour le danger qui était autour de lui. And then he started to sink. Là, il a commencé à couler. Same way when we go through different struggles. La même façon quand on traverse nos propres épreuves. When we focus on Christ,
and what he can do through us, and that he loves us and he's going to save us from this trouble. Quand on se concentre sur le Christ, est-ce que lui peut faire pour nous et à travers nous et qu'il va nous sauver de tout ce trouble? We walk on the storm with confidence. On marche sur la tempête avec confiance. How many of us have tried that before? Both with things where we trusted Christ and then we're able to be confident. Any of us tried that before? Est-ce que quelqu'un a déjà essayé ça, de passer à travers des choses difficiles, okay, et de choisir de faire confiance, puis là, de marcher avec confiance sur cette tempête? And yet, other times, the same problem that yesterday Christ helped us through, another time we look at the problem and think, I can't do this. Et pourtant, le même problème que l'autre jour on marchait dessus avec confiance. I'm always having this problem. I can't take it anymore. I can't do it. I'm broken. Look at me. Je suis toujours dans ce problème là. Je suis plus capable maintenant. Je suis plus capable du tout. Why me? Pourquoi moi? That other person is more wicked. Why are they not suffering and I'm suffering? Cette autre personne là est plus méchante que moi. Comment tu fais qu'elle souffre pas puis c'est moi qui souffre? Amen. Sometimes we do that, don't we? On fait ça des fois, n'est-ce pas? Okay, maybe you're all too holy to do that. Oh, peut-être que vous êtes tous trop saints pour faire ça. But you see, the more we focus on the problem, the more overwhelming it becomes. Le plus on se concentre sur le problème, le plus ça nous émouvoir, ça tombe dessus. But when we focus on Christ. Mais quand on se concentre sur le Christ. Who has already said, come. Qui nous a déjà dit. Viens. And we already have our invitation from Christ. Et on a tous déjà eu notre invitation du Christ. An invitation. Une invitation. To rise above. Pour s'élever au-dessus. Any challenge that can come your way. Toute épreuve qui peut nous arriver. Challenges are not fun. Les épreuves ne sont pas drôles. No. Non. But with Christ, we can do all things. Et avec le Christ, on peut faire toutes choses. Amen. Amen. There's a song that my grandmother used to sing. I'm going to sing for you. Il y a un chant que ma grand-mère chantait avant. Je vais chanter pour vous. Amen. It says, I am making a journey with Jesus. Il dit, je fais un cheminement, je chemine avec Jésus. Jesus, he will never fail me. Jésus ne va jamais me laisser tomber. He says, when I look by sight, I see the troubles all over me. Quand je regarde par la vue, je vois tous les problèmes, les épreuves autour de sur moi. But when I look by faith, mais quand je regarde par la foi, I see the Son of God by my side. Je vois le Fils de Dieu à mes côtés. So nothing can be against me. Alors rien ne peut se tenir contre moi. Amen. It's a simple song, so I'm going to sing and just please sing with me. Amen. C'est une chanson très simple, alors s'il vous plaît, je vais chanter. Vous pouvez chanter avec moi si vous voulez. Okay. Oui. I'm making a journey with Jesus.
C'est quelque chose qu'on doit se rappeler. Someone like my grandmother, she didn't have the resources that we all have today. Quelqu'un comme ma grand-mère n'avait pas toutes les ressources comme on a aujourd'hui. Well, you check the internet, there's information on the Bible, there's so much, but things that the access we have to know God's word, she only had her Bible. Aujourd'hui, on va sur internet, puis il y a tellement de ressources et de choses qu'on peut accéder pour nous apprendre la parole de Dieu. Even with elle n'avait que sa Bible. Even with the church she was going to, she wasn't exposed to that much deep feeding in the Word. Même à l'église où elle allait, elle n'était pas exposée à une profonde étude de la parole. She fell in love with God. Mais elle est tombée en amour avec Dieu. And she knew that when she had a problem, Jesus was always there. Et elle savait que quand elle avait un problème, Jésus était toujours là avec elle. Today's Christian has access to a whole lot. Les chrétiens d'aujourd'hui ont accès à tellement de ressources. And we take it for granted. Et on le prend pour acquis. And we just accumulate information upon information. Et on fait juste accumuler de l'information et de l'information et de l'information. But hey, you belong to the living God. On appartient au Dieu vivant. He didn't call you to a life of defeat. Il ne nous a pas appelé à une vie de défaite. He called you to a life of victory. Il nous a appelé à une vie de victoire. And he's not standing there judging you, waiting to see what you've done wrong. Il n'est pas là en train d'attendre pour te juger, pour savoir, pour dire tout ce que tu as fait de mal. But even when you fall, même quand tu tombes, he goes on his knees and lifts you up. Il va à genoux pour te ramasser. And he says, "Come, child." Et il te dit, viens, mon enfant. I love you. Je t'aime. The question is, do we respect his love? La question, est-ce qu'on respecte son amour? Enough to say, okay, that's it. I'm going to stay down there. I'm loved. Suffisamment pour dire, okay, je suis aimé. Je veux pas rester là dans ce trou-là. Oh, do we sometimes try to manipulate his love? Ou encore, est-ce qu'on essaie parfois de manipuler son amour? When we do that, we're harming ourselves. Quand on fait ça, on se nuit à nous-mêmes. That is a love like no other. Son amour est comme aucun autre. A love that forgives. Un amour qui pardonne. That strengthens. Qui fortifie. A love that gives all. Un amour qui fait tout. Amen. Qui guérit tout. When Peter looked at the storm. Quand l'apôtre Pierre a regardé la tempête. The very sea that he had already conquered. He started to sink. La mer
quand il a regardé la tempête, les mêmes eaux sur lesquelles il marchait, il a commencé à couler. But thank God he remembered and said, Jesus, save me. On remercie Dieu qu'il s'est rappelé et a dit, Jésus, sauve-moi. People sometimes remember the story and say, oh, but Peter doubted. You know, they focus on the fact that he doubted. Des fois, les gens se rappellent cette histoire-là et ils se rappellent que Pierre a douté. But at least, unlike the others, he dared to walk on the water. Mais au moins, contrairement aux autres, il a osé marcher sur l'eau. But when he started to sink, he still called out for help. He still knew that Christ had the power to save him. Quand il a commencé à couler, il s'est toujours écrié pour de l'aide. So il savait que le Christ avait la puissance pour le sauver. So if you find yourself sinking today, alors si tu te retrouves à couler en ce moment, in anything, any situation, dans n'importe quoi, n'importe quelle situation, I don't know. Je ne sais pas. But God knows. Et Dieu le sait. And his hand is already out there, stretched to help you. Sa main est déjà étendue là pour t'aider. Just stop fighting, ask him to save you. Stop fighting and asking to save. Arrête de te débattre puis demande-lui de te sauver. And the Bible says in 31 that and immediately Jesus stretched out his hand and caught him. Verset 31 nous dit et aussitôt Jésus étendit la main et le prit. This implies that he had gotten close to Jesus. He walked far on that water. Alors, c'est surprenant, il avait marché beaucoup sur l'eau, il était très proche de Jésus. Yes, it was close enough for Jesus to just stretch out his hand and pull him up. Il était assez près de Jésus pour que Jésus étende sa main et le prenne. And sometimes just before the breakthrough, what do? We give up. Puis parfois, juste avant la percée, qu'est-ce qu'on fait? On abandonne. And we say, God, I trusted you. I gave you my everything and you didn't save me. Puis là, on dit, Dieu, je t'ai fait confiance. Je t'ai donné tout ce que j'avais. Tu ne m'as pas sauvé. Christ has said he will never fail you. Le Christ a dit qu'il ne va jamais nous laisser tomber. Dare to trust him. Ose lui faire confiance. Don't focus on your strength and weaknesses, focus on his. Te concentre pas sur tes propres faiblesses, tes propres infirmités, mais concentre sur ses forces à lui. And Jesus said to him, oh, you of little faith, why did you doubt? Et Jésus lui disant, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? It was his doubt that took him down. C'est ses doutes qui l'ont fait couler. And when it comes to doubt, there'll be so many things distracting us. Even sometimes as you go to church, someone will say, why do you have to still go to church? Why do you have to do that? The moment you start listening to those things, it starts weighing on you. Alors, il y a tellement de distractions dans ce monde. Juste des fois quand on va à l'église, les gens peuvent nous dire, pourquoi est-ce que tu vas encore à l'église? Ça te sert à quoi? Et si on laisse, on met de l'attention à ces choses-là, ça va peser sur nous. Even sometimes at church, while the preaching is going on, and other people are distracting you. Même parfois, quand on est à l'église, puis il y a la prédication en avant, d'autres personnes peuvent vous distraire. You have a choice to listen to them or to listen to the message that God has given you. Vous avez le choix de leur donner votre attention ou encore d'écouter le message que Dieu vous donne à l'avant. You can't always tell the other person what to do. On ne peut pas toujours dire aux autres quoi faire. But you can choose what to respond to. Mais vous pouvez choisir à quoi vous répondez. Amen. Amen. Are you journeying with Christ? Est-ce que vous êtes en train de cheminer avec le Christ? Is your focus on the author and finisher of your faith? Est-ce que votre attention, votre concentration est sur l'auteur et le consommateur de votre foi? Or is your focus on yourself? Ou encore, est-ce que votre attention est sur vous-même? Please, focus on him. S'il vous plaît, concentrez-vous sur lui. Who called you? Celui qui vous a appelé. Him who is not judging you. Celui qui ne vous juge pas. Him who is loving you. Celui qui vous aime. And wants to transform you into his image. Et qui veut vous transformer à son image. You cannot transform yourselves. Vous ne pouvez pas vous transformer vous-même. A Christ. Transform you. Mais le Christ peut vous transformer. Surrender to him. Abandonnez-vous à lui. And let him do the work. Et laissez-le être votre Seigneur. Victory is yours. La victoire vous appartient. And God's children say, Amen. 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 Praise God. We always have a reason to celebrate.
on a toujours une raison de célébrer. Because Christ died for us. Parce que Christ est mort pour nous. But that's not the end of the story. Mais ce n'est pas la fin de l'histoire. He rose from the dead. Yeah. Amen. 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 And he's not dying again. Et il ne va pas mourir encore. So we always can celebrate. Alors on pourra toujours célébrer. Whether there's a storm or not. Qu'il y a une tempête ou non. Amen. Amen. Praise God. Now may the grace of our Lord Jesus Christ. Maintenant que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. The love of God. L'amour de Dieu. And the fellowship of the Holy Spirit. Et la communion de l'Esprit Saint. Be with each of us now and forevermore. Soit avec nous maintenant et pour toujours. And God's children say, Amen. Amen. Praise God.